Avant que je parte, mon grand-père a tenu à me donner cette pierre. Je crois qu'il l'a ramenée du Nouveau Monde. Oui, je sais. Les règles disent qu'il ne faut rien ramener. Mais bon, il voulait que je... Partenaire, dis-moi, pourquoi les gens quittent leur terre, et aussi ceux qu'ils aiment, tout en sachant qu'ils ne rentreront peut-être jamais chez eux? Je me demande à quoi pensait mon grand-père, en ramenant ceci avec lui. Il était du genre insouciant, mais très sérieux lorsqu'il étudiait cet objet. Au bout du compte, il n'a jamais vraiment su ce que c'était. Pourquoi l'a-t-il ramené? Pourquoi moi? Peut-être qu'il pensait que je trouverais la réponse. Il y a 40 ans, son expédition a échoué. Ils l'ont transmise à la génération suivante, en espérant qu'on y arriverait. Aujourd'hui, nous sommes ici parce que quelqu'un a cru en nous. Et tu sais quoi? Nous réussirons. J'en suis sûre. Préparons-nous, partenaire. On a encore beaucoup de travail. Et bonjour à tous. Je sais, cette tenue ridicule casse complètement l'immersion. Mais bon, c'est pas ma faute, c'est la période anniversaire sur ce jeu, donc la tenue s'est équipée automatiquement, je n'y peux rien, ne me grondez pas. Mais l'assistante nous a fait un discours, ma foi, très honorable, qui touche la corde sensible sur l'héritage, tout ça, la façon de voir le monde. Mais c'est vrai que cette tenue de chat a un petit peu tout ridiculisé. Alors, empreinte de Velkana, ou cinématipis. Ça, c'est une empreinte de moi, pas du Velkana. D'accord. D'entrée de jeu comme ça. Bébé. C'est un beau bébé que nous avons là. Je pensais qu'il y aurait genre... je sais pas. Pas le combat là tout de suite en tout cas. Je suis pas prêt. Laissez-moi du temps. Il est tout petit par rapport à d'autres dragons anciens, ça me perturbe. Si je visais les ailes pour avoir un peu de vue, ça serait peut-être mieux. Eh ouais. Ça l'a pas touché. Ah, si, ça l'a touché. Tant bon. Bon, mais on va taper sur le dragon ancien, écoutez. Ça me fait bizarre de le taper comme ça d'entrée de jeu comme un petit truc par rapport aux auras qu'on avait suivi sur sa migration jusqu'au Xenoshiva qui lui faisait une taille colossale. Et là on tape un truc qui, ouais, on dirait un petit coup chala au final. Waouh, respecte un peu tes aînés toi. Du coup on peut s'agripper sur lui et tout, facile. Lui, du coup, il vaut mieux être devant lui que derrière lui, a priori, vu qu'il a plutôt l'air de se battre avec la partie arrière de son corps. Boum!
Allez, moi je me bats dans les airs, on n'a pas peur. J'affronte les dragons de mano à mano. Ça fait un petit peu peur quand même, mais globalement ça va. Yes. Pour le moment, ça se passe plutôt bien. Là. Aïe, j'ai dit que ça se passait bien. Ouch. Mon Kinsect a eu un petit peu peur de mourir, je pense. Allez, on va se laisser faire par un petit dragon là. Bon là il s'agit de le repousser, donc évidemment on ne va pas le tuer aujourd'hui, hein. On va pas pousser non plus, pas trop d'un coup. Sinon, on aurait déjà terminé l'histoire, ça serait un peu triste. Yes! J'étais pas sûr de le choper avec l'élan, mais si. Ça va. Il manque le troisième buff pour être vraiment petit là. Pas content. Je sais pas où j'ai tiré, mais j'ai tiré. Une troisième? Non, même pas. Je pensais qu'il y aurait une troisième. Je sais plus où j'ai chopé le buff 3 tout à l'heure. Pas là, en tout cas. Là, ok. Allez, dans la tête, dans la tête, dans la tête, dans la tête. Yes, ça n'a rien fait. Nickel. C'était bien. C'était sympa de participer. Là, on est en plein hiver, je suis en train de me faire agresser par un moustique en même temps, quoi. Et pas une game pour une fois. La glace, c'est pas notre ami. Ça non plus, c'est pas notre ami. Hop là. Pas gentil, pas gentil. Calm down, little guy. Ça, c'est bien comme ça. Surtout que les ailes déjà escampées. Donc, autant continuer. Allez, sur son dos. Yes. Allez, on continue. On y croit. C'est pas parce que c'est un dragon ancien que de suite, faut se laisser impressionner. On en a vu d'autres des dragons anciens. Enfin, il use l'épée à une vitesse. Enfin, l'épée. L'insectoblade. Je sais plus qu'à la moitié de ma barre bleue. Même pas la moitié. Là, d'après mon calcul, je devrais avoir le temps avant qu'il me fonce dessus. J'ai mal calculé. Non, j'ai bien calculé, c'est bon, j'ai eu le temps. Mais je pensais qu'il arriverait un tout petit peu après. Ah, mais je vais pas commencer par le buff 3, moi. Que je voulais pas commencer par celui-là. On va aller se heal un petit peu, ça fera pas de mal. Oh, c'était pas loin. Valkana. Ça semble un peu trop facile.
Il va nous défoncer. Ah. Là, il a de la gueule. Là, il fait dragon ancien. Vrai de vrai. Ça me paraît être un bon plan. Mais pourquoi t'arrives toujours au mauvais moment, toi? T'as le don de nous mettre en danger. Ouf. Ouais, tu m'étonnes que t'aies mal à la tête. Reste tenu. Désolé, désolé, mais tu me fais le coup à chaque fois. Ah, deux salles, deux ambiances. La fissure va jusqu'ici. Alors elle est toute seule, elle est par la boîte. Me la fais pas à moi. Tu as toujours une longueur d'avance. Depuis toujours. Au moins, tu m'as laissé des choses à faire. On est d'accord que elle, c'est la grand-mère de l'assistante, c'est obligé. Elles cherchent toutes les deux un homme. Enfin, toutes les deux un homme. Il y en a une qui suit les traces de son grand-père, l'autre qui cherche quelqu'un et qui est plus âgé que nous. Est-ce qu'elle est mourute? C'est pas le genre de la série tuer des gens comme ça. Alors, cercle de vie, on prend tout. Bah, au moins, c'était une mission rapide et qui rapporte gros, du coup. Faut toujours le bon côté des choses. Mais la puissance du dragon ancien n'en était pas moins redoutable. Maintenant que tout le monde est là, commençons. Tout d'abord, comment te sens-tu? Grâce à toi, nous avons réussi à repousser le Velkana. Alors, on me laisse pas répondre, on enchaîne. Seul, nous n'aurions eu aucune chance. Excellent travail. Merci, merci. Non, mais je sens qu'on estime à propos du Velkana, plus au point. Nous ne savons toujours pas où il est parti. Je te laisse continuer. Merci, commandant. Putain, cette tenue, ça gâche tout. Avec les chasseurs de la classe A, le Velkana a soudainement modifié sa carapace. Puis il s'est envolé vers les terres perdues. Même sans ça, je pourrais lui mettre la tenue classique, mais j'ai la flemme de retourner voir le truc. Sa transformation, ainsi que les raisons qui l'ont poussé à se rendre dans la terre des anciens, reste un mystère. Ça n'est que ma théorie, mais je pense que le Velkana ne s'est pas vraiment enfui. Ah il bon a peut-être simplement quitté la terre des anciens après avoir fini ce qu'il était venu faire. Mais pour quelle raison un dragon ancien vivant dans un environnement arctique voyagerait jusqu'à la rivière éternelle et la terre des anciens? Il existe peut-être une corrélation avec la métamorphose de sa carapace externe. Peut-être. C'est un bon point. Dans tous les cas, nous devons poursuivre les recherches. Toujours. Une dernière chose, commandant. Depuis qu'il s'est transformé, le Velkana devient de plus en plus puissant. Si on ne fait rien, Celiana court un grand danger. Il n'y a plus de temps à perdre. L'équipe de terrain doit retourner aux terres perdues et localiser le Velkana. L'intendance et la division technologique
se chargeront de renforcer nos défenses. Nous fournirons un support logistique depuis Astera. Le temps nous est compté. Mais n'oubliez pas, un seul faux pas, et c'est l'échec. Oui, monsieur. Ah, mais il me saoule ce moustique. Ce sera tout. Pardon. Alors, par contre, voilà, on est d'accord, on c'est le givre éternel. Pourquoi ils me parlent tous des terres perdues? Pourquoi ils me parlent tous des terres perdues? Le type a dit que quelque chose le préoccupait. Je me demande de quoi il parlait. La fin du monde, peut-être. Ça peut être ça. Après, bon, on verra bien. Mais ma foi, c'était un épisode très court, mais non, mais quand même très intéressant. Je ne sais plus parler, mais c'est pas grave. Donc, on s'arrête ici pour cette poursuite du Velkana, et on se retrouvera très bientôt pour aller au Givre Éternel, en apprendre davantage sur cette migration et sa nouvelle carapace. Ciao, ciao, c'était Maderas.